Frau Deli, Sie haben eine Minute. L'heure est grave pour notre jeunesse européenne. Les chiffres sont éloquents. Le taux de chômage des 18-24 ans est passé de 15 à 19% depuis 2008. Le décrochage scolaire a augmenté de 2 points. Un jeune sur trois est menacé de pauvreté. Nous sommes 10 ans après la crise. On peut le dire maintenant, c'est une génération tout entière qui a été sacrifiée sur le dogme de l'austérité. 2008, nous avons su sauver les banques. En 2018, allons-nous sauver la jeunesse européenne? Tous les indicateurs sont au rouge et la seule réponse qu'on offre à la jeunesse, c'est le pessimisme, c'est la défiance aux politiques, c'est la porosité au populisme, avec les conséquences qu'on connaît, sans oublier le désintérêt croissant envers nos institutions. Rappelez-vous, seulement 28% des jeunes ont voté en 2014. Alors, écoutons enfin la jeunesse. La jeunesse, ce n'est pas qu'un mot. La jeunesse, c'est notre avenir. Secouez les États membres, la Commission. Essayez de comprendre que notre priorité, elle est là, en face de nous. Notre priorité, c'est la jeunesse. En tout cas, il va falloir investir en elle. Je vous remercie. Dankeschön. Als nächstes hat Herr Sosniac das Wort für eine Minute. Postaram się Państwu coś wytłumaczyć na prostym przykładzie. Jeśli ustalimy taką zasadę, że małżeństwo należy zawrzeć od razu po pierwszej randce albo w ogóle, to czy będziemy mieli więcej małżeństw, czy mniej?